On est vendredi le 28 août et c'est le retour des classes. Donc pour vrai, il est 6h30 puis le réveil à Lucas s'est super bien été. Il s'est réveillé tout de suite quand je suis allée. Katia, elle est déjà réveillée. Je pense qu'elle est toujours à la misère, mais regardez, là. Non, à date, ça va bien. Puis là, on est en train de faire le déjeuner à Lucas. On va faire la boîte à linge. C'est ça. Mais moi, j'ai pas bien dormi, par exemple. Vraiment pas, là, mais... Oh, là, il faut que je vende. Ça va donner à l'acheter des gros os, ça passe pas. Ben, je l'avais montré, je pense, mais ils aiment, là, comme ça se peut pas, là. Ah, là, qu'est-ce que tu bien tes dents? Puis toi, comment ça va? Pas bien. Non? Ben, pour de vrai, ça va bien. C'est vrai que je suis quand même stressée. Que ouais. Tu es contente. Oh, que tu es contente, toi? Toi, que toi, ça va-tu bien aller? Hein? Ça va-tu bien, oui? Mm. Beau sourire! Oh! Mm. On dirait quasiment que tu sais que tu t'en vas à l'école. Ouais, elle va être contente. Pour vrai, elle doit même pas le savoir, mais on dirait quasiment qu'elle sait, c'est drôle. Oh, t'es belle! Le beau sourire ce matin! Ok, maman va aller faire les lunch, bye! Il faut que je parte, bébé Lala. Oui, oui. Beau câlin pour le gros bébé Lala. Oh, oh, ça colle! Ouais. Gros câlin pour bébé Lala. Tu veux m'empêcher de partir? Tu devais devant la porte? Bon, oui. Oh. Oh, des câlins. Là, t'es au sec. Le sourd aujourd'hui est plus pesant, est-ce que tes enfants sont dedans? Oui, évidemment, lundi, il va l'être moins. Faut pas oublier ta boîte à lunch. Oui, c'est beau. Mais pourquoi lundi, maman? Ben, lundi, ton sac va être moins pesant. Ton sac, tu vas l'avoir amené. Ça, c'est ton sac de la rentrée. Tu parles demain? Non, demain, t'es encore juste à la fin de semaine. Déjà? Veux-tu t'en raconter un petit peu à l'arrêt? Non. Non? Non, mais c'est bientôt un départ. On est un peu assis à galerie. Il y a déjà du monde à l'arrêt. Mon cœur est bien vite parce que je suis stressée. Maman, t'es mignonne. Bye, mais maman. Quoi? Des fois, quasiment toutes les années, le deuxième jour, le soir, j'ai toujours réalisé que chaque année, c'est full pas pareil. Ah. Full pas. Ah. Même si ça serait été la même proche, je trouve. Ça aurait vraiment pas été pareil. Non. Non. Même si j'aurais encore une madame Alexis, je trouve que ça serait vraiment pas été pareil. Ah. Ok, je vais souhaiter une belle journée. Je vais passer fort fort à toi. J'espère, moi aussi. Le cœur était pas de broyer parce que il veut pas que moi-même bloque la porte. C'est vrai, on l'entendait pleurer. Il pleurait. Ça va être dur pour lui, hein. Ah. Il est parti. Et quand il est parti, ça a super bien été, sérieux, là. Je sais pas si le fait qu'il savait qu'il y avait un trésorier qui s'en revenait, mais pour le réveiller, ça a pas été dur. Après ça, il était un peu stressé à aller prendre l'autobus, mais il est parti comme un grand corps à l'arrêt. Il voulait même pas que je l'accompagne. Fait que là, il faut espérer qu'il ait aimé sa journée, il a aimé son prof. Comme ça, il va avoir le goût de se retourner lundi. Sinon, ben là, ça va être, je pense, plus compliqué lundi de l'envoyer. Là, il faut se croiser les doigts que tout se passe bien aujourd'hui. Puis là, Katia était bien. Même la routine de Katia a super bien été. C'est sûr qu'elle n'a pas voulu manger, mais elle a pris des pédiatres puis elle a mangé du fromage. T'sais, elle a quand même en masse de calories dans son ventre pour toffer la journée. Je vous la montre. Calam! T'es ma petite Katia prête. Oui, tu me donnais la main. Avec les petits bijoux. Oui. Regardez, j'avais trouvé ça de l'eau, les petites boucles. Je trouvais ça parfait. Tu sais qu'à faire un petit accessoire, ça aide trop, là. Oui, t'es belle. Oui, ça sent ticket de par deux. Là, j'aurais aimé ça me la voyer debout, là, mais... Elle n'est pas debout, la petite fille. Non. T'es belle, Katou. Toi, t'es-tu contente de retourner à l'école? Ça fait longtemps. Ça va faire 6 mois que t'es pas allée. 6 mois. Ouais. On va mettre de la musique. Bon, il est 10h. Ouais, 10h. Pas pire. J'ai appelé mes parents. Ma mère a dormi au moins 5 heures. Pas en ligne, mais au moins 5 heures. J'étais contente quand j'ai su ça.
Après ça, j'ai fait du lavage, j'avais lu l'acacia. Là, j'ai torsé son lit, puis je l'avais entre son lit et le mât. Il y avait un dégât de pédiatre, mais je n'ai pas encore lavé le plancher. Mais là, ça va marcher à passerelle, moi, Pam et Nick. C'est drôle. Puis là, je mange une carotte. Je m'emmène une carotte du jardin que j'ai pris hier chez mes parents. Hey, il est rendu tard. Il est rendu 3 heures. Je pense que je vous ai parlé à ma table, puis ça, je vous ai pas reparlé. Je m'en allais marcher à passerelle. Ça, on est allé marcher à passerelle, puis comme on s'en allait en auto, finalement, Sabrina, elle m'appelle. Elle dit, vous faites quoi? Je dis, on s'en va marcher à passerelle. Elle dit ça. Elle dit, on vient de vous voir. Elle dit, on tourne une, puis on vient de voir l'auto passer. Et ils sont venus nous rejoindre. Ils sont venus marcher avec nous à passerelle. Puis après, on est allé chez Sam. Comme vous avez vu, je vous ai filmé son petit lapin. Elle a acheté une cage, puis elle a mis plein de nouvelles choses dedans. Il est vraiment mignon, son petit lapin. Puis après, on est venu ici. Mon chum est venu dîner. Puis après-midi, j'étais vraiment fatiguée, puis j'ai mal à la tête. Mais là, je me dis, c'est pas vrai, faut que j'avance mon ouvrage, sinon je vais encore plus être découragée puis stressée de voir ma maison est sale, puis l'ouvrage n'est pas fait. Fait que j'ai réussi à faire ça, j'ai lavé mon lit, j'ai lavé le plancher à grandeur, j'avais lavé le lit à Cathy le matin, je l'ai refait. Là, j'ai vidé de la vaisselle, j'ai tout plié mon linge. Hier, je n'avais pas fait de lavage, puis aujourd'hui, j'en avais. Il est tout plié, mais là, il n'est pas serré. Fait que c'est ça, là, c'est pour ça que je vous ai pas parlé ben, je vais avancer. Mais... mon ouvrage. Fait que là, c'est ça, là, j'ai hâte de voir comment ça a été Lucas et Katia. J'ai bien hâte de voir. Je me demande qui va venir la porter aussi, parce que là, je sais que c'est pas la même chauffeuse, elle me l'a dit. De toute façon, je m'en doutais, c'était pas le même numéro de taxi, fait que de minivan. Fait que, en tout cas, bien hâte de voir comment ça va aller, tout ça. Fait que pendant une journée de fête de l'année 2020, entre scolaire 2020-2021. Fait que, c'est ça, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais venir au courant quand Lucas va arriver. J'ai hâte de donner son trésor. Il va avoir un trésor X. Fait que. Demain, annonce pas beau, c'est plate, par exemple. Demain, annonce vraiment pas beau. Annonce de la pluie, puis dimanche aussi, annonce pas beau. Dimanche, Pamela, elle retourne à Montréal dimanche soir. Mais si elle trouve pas d'amigo, elle est pas stressée. Tu sais, au pire, elle va remonter un lundi parce que c'est des cours à distance qu'elle peut y faire. Elle peut y faire d'ici, si elle veut. Si ça dit, j'ai pas de stress. Mais elle va aller pareil à son logement parce qu'elle paye, tu sais, dans le fond. Puis son amie Van est là, fait qu'elle peut passer du temps avec Van en plus. Fait que c'est ça. Puis Nick, puis ça, ils auront commencé juste après la fin du travail, l'université. Fait que je vous laisse là-dessus. Au revoir les belles. Lucas est revenu. Il dit qu'il a trouvé ça pas si pire. Ça a bien été. Il veut danser. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'amis qu'il connaît dans sa classe, il n'y en a juste un. Êtes-vous une petite classe ou une grosse classe? 23. C'est beaucoup? Ah! C'est beaucoup ça, je trouve. Puis le midi, la service de garde était-tu fine? Ouais. Bon. Puis, qu'est-ce que je vais dire donc? J'avais mis madame. Ah, dans l'autobus, ça te vaut beaucoup? J'ai changé d'autobus le matin puis le soir. Comment ça? Hein? Je comprends pas, là. T'as pas pris l'autobus sur le coin, là? Le soir, ben, c'est la 14, puis le matin, c'est la 14. Ok, mais c'est pas le même chauffeur? Non. C'est pas monsieur Serge? Non. Ah. C'est pas monsieur Bernard. Ça, c'est un autre. Les deux. Les deux fois ont changé le soir puis le matin. OK. Ah. Mais, là, t'arrivais un petit peu plus tard, mais normalement. J'étais avec Olivier. Ouais, ouais. Ah, c'est cool. Parle, Olivier et Marc-Claude. Olivier et Marc-Claude? Non, mais. Okay. Olivier, ben l'autre. Elle disait Marie. Là, OK. Puis, elle disait Marie. L'autre, mais pas Marie. Les hommes maris. Ouais. Ouais. Avec là, Lucas, il peut choisir quelque chose dans la boîte de. Voyons, comment ça s'appelle? Trésor X. C'est pas quoi choisir. Hey, mais Lucas, chère, félicite, t'as fait ça comme un grand aujourd'hui. Tu m'as impressionné, mon amour. Tu t'as bien été, hein? Choisir ça. T'es-tu fière de toi? Ouais. Moi, je suis vraiment fière. Toi, t'es fière. Là, tu veux choisir ça, l'opéré? Ouais. OK. Puis, ça a-tu été long, hein? Ça a quand même été long que l'autobus arrive à matin, hein? Finalement? Hein, Lucas? Mais c'était le premier jour. Ouais, c'est normal. Puis les autres, t'as parlé-tu à l'arrêt? Non. Ça parlait pas à l'arrêt? Vous étiez silencieux? Non, c'est qu'il y avait des parents. Puis plus ah, il y avait des parents? Ouais, le parent aimant, puis les parents aimaient. Ah, j'avais même pas vu. Finalement, t'as regretté que je suis pas allée, finalement? Non. OK. Je vais aller attendre Cathy à cette heure. Par exemple, il me manquait quelque chose de flair. Allô, ma belle Katia! Mmh. Allô! Mmh. Lucky, content de te voir, regarde-le! Mmh. Oh! Mmh. Oui! Comment a été ta journée? Hein, tu peux pas nous le dire! Mmh. Les mamans, tu peux pas le dire!
Mmh. Oui. Mmh. Allô. Mmh. Allô. Mmh. Lucky, t'es un gros bébé. Lucky. T'es ennuyé de Katia? Oui. Bon, ben, ça a bien été pour Katia. On a une communication. Belle journée pour Katia. Elle était très coopérative. Elle a très bien mangé. Nous avons pris zéro en sur aujourd'hui. Moi, ça a bien été pour elle a été changée à 2h25. Pas besoin de distancier. Nous en avons. Quoi? Ça va faire... Je peux déjà compter. Comment? Oh! 5. Oui! Katia, elle t'a pris de quoi ici? Je pense pas qu'il y a de mille chiffres. Non, mais il y a de se monter. Non, ça doit être plus cher. Un cadeau d'amour. Allô? Oui? T'es ennuyée de maman, Katia? Tu veux-tu un gobelet, là? Mmh. Ouais, gobelet? Mmh. Ça, tu veux dire à maman? Un gobelet? Mmh. Oh, t'es belle! Mmh. Oui. Fait que c'est ça. Katia est revenue. Puis la chauffeuse du soir, je l'ai vraiment beaucoup aimée, en tout cas à date. Puis c'était la même compagnie qu'elle avait il y a 2 ans, Autobus Breton. Quel monsieur que j'aimais, là. Je sais juste pas, je comprends juste pas pourquoi ils n'ont pas pu mettre les deux la même chauffeuse le matin. Tu sais, j'aimais ça que celle du soir serait celle du matin. Mais là, elle est seule. Sauf que, tu sais, soit elle allait toucher pareil la chauffeuse parce qu'elle avait pas de pexiglas. J'ai de misère à le dire, désolée. Elle avait pas ça non plus. Mais, tu sais, on voyait que ça dérangeait moins quand ça la touche. Je sais pas, à l'ongle, là. C'est ça. Fait que, mais j'ai trouvé super gentil. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ça. Après ça, bon, on était allé chercher des sundaes au McDo, c'est vraiment pas cher. 2 piastres les sundaes, puis 1 piastre les crèmes glacées. Fait qu'on s'est gâté avec ça. Puis là, ben, avec ce. Pour ce qu'on va souper plus tard. Fait que je suis contente que ça allait avoir bien été sa première journée d'école. Le cas, il m'expliquait, c'est comme des bulles à l'école. Mettons, ils sont 23. Puis les 23, mettons, récrits, peuvent vraiment être proches, jouer ensemble, pas de problème. Ici, ils peuvent pas aller jouer avec les autres amis, par exemple. C'est ça qu'il me disait. Respecter le plus possible la bulle de la classe, dans le fond. Mais ils ont deux micro-ondes, ça, j'étais contente. Fait que je vais me casser mon tête de savoir quoi y envoyer. Ça, j'étais vraiment contente quand j'ai su ça. Fait que c'est ça. Je pense que Katia s'en vient. Je l'entends. Oui, elle s'en vient. Debout, la petite fille. Elle a son image debout. Wow! Bravo! Allô, Katou! Allô! 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 Allô, baby! C'est maman! Allô! Allô! Je t'aime. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es jaloux, là? Hein? La journée avec un bon feu. Oui, oui, oui. Un bon feu. Je vais vous dire bonne nuit. Il est 10h. Comme vous avez vu, on a fait un feu. Mais Katia n'est pas restée longtemps. Pas tellement qu'elle a voulu rentrer. Fait qu'on l'a laissé rentrer. Après ça, ben, Nick est venu. Sab John. Pam a fini de travailler. Fait que. Lucas, ben là, il s'est couché tard.
On l'a laissé veiller tard. C'est la fin de semaine, après tout. Demain, il va se lever sûrement plus tard, puis elle n'est pas beau, fait que... Mais, c'est ça, Pam. Elle vient d'avoir le résultat. Elle a passé son stage d'hôpital. Ben, stage d'hôpital qu'elle a fait en ligne, finalement. Mais, en tout cas, ce stage-là, elle a passé. Puis, elle va rester à avoir cela qu'elle a fait à la pharmacie au quatre travailles. Au Walmart, si elle passe. Ça, c'est plus stressant, parce que qu'est-ce qu'elle s'est fait dire? On sait pas trop, là. En tout cas, elle a passé le stage de... Yay! Ok, je vous dis bonne nuit. On se revoit demain pour une autre journée. Je vous aime fort. Bye! À demain!